Salutations YouTube. Suite de notre aventure sur Star Sector. La session précédente, si jamais vous n'avez pas regardé la VOD, bah regardez-la. C'était, je pense premier degré que de toutes mes heures de jeu sur Star Sector, j'ai enchaîné le pire combo d'événements ever. Genre vraiment, je pense que j'ai pas vécu pire situation. Tout compris, je sais pas, faudrait voir en jeu. Non mais. T'es pas comme Royal noyé sous les informations en train de souffrir quoi. Globalement tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends le build, tu comprends des trucs. Ouais donc j'ai la pire situation ever. Genre je crois pas que j'ai vécu un truc pire dans Star Sector. Ce qui s'est passé, petit résumé. La plupart des jeux de gestion, enfin j'ai vu que j'ai. Quand on se dit je vais faire ça pour monter descendre le X, ça fonctionne. Ça fait pas un truc aléatoire. Hein. Y a pas des trucs aléatoires qui se produisent. Sauf là, effectivement, le truc d'hier, mais. Bon, bah, c'est une nouvelle mécanique, je connais pas encore bien le truc. Donc, ouais, vous vous souvenez pour mes colonies, il y a des petits problèmes tout le temps. C'est que. Voilà, j'ai ces soucis-là qui se produisent. En gros, des gens qui viennent interférer avec un petit peu tout. Et ça fout le bordel. Il se trouve que pour essayer de régler ces soucis-là, il propose de s'associer avec une des factions. Quand on met la souris là-dessus, on voit que on peut join the league. Voilà. Donc je me suis dit, vas-y. On va essayer de négocier avec Person League pour voir ce qui se passe. J'y suis allé. J'ai négocié avec eux et ils m'ont demandé 20% de mes revenus pour me protéger des autres factions, etc. J'ai dit, bah, ok, très bien, on va signer un pacte, on va faire ça. À peu près 2 minutes après avoir signé le pacte, je vois Person League, expédition punitive. Ok, très bien. Faisons ça, expédition punitive. J'ai pas compris pourquoi, donc je me disais que c'était peut-être un bug ou machin. Non, non, non. Donc en fait, je suis retourné voir le mec avec qui j'ai négocié. Il m'a dit, ouais, non, pardon, en fait, non, mes supérieurs m'ont pas laissé le choix. Il nous fallait une petite démonstration de force. Mais t'inquiète, hein, si tu survis, on te protège. Donc voilà. Il m'a envoyé 8 flottes, alors que moi, je venais de perdre ma flotte dans la session précédente, donc j'avais rien pour me défendre. Je me suis fait évidemment éclater la gueule dans tous les sens. J'ai perdu la moitié de ma maigre flotte qui me restait. En tentant de faire un truc. Bon, c'est mal passé. Et on a terminé la session. Et là, c'était vraiment le pire. Genre, c'est vraiment le coup de grâce. Vous vous souvenez, donc Noveria, c'est mon autre planète, ma troisième colonie. La deuxième que j'ai fondée, mais j'avais abandonné la première. Donc, ça restait la première que j'ai fondée dans celle qui me restait. Elle était à moins 16 de stabilité parce qu'elle s'est pris 15 raids sur la gueule et ça remontait pas, ça remontait difficilement. Et du coup, bah, c'est là qu'était stocké tout mon matos. Et le problème, c'est qu'elle était à moins 16 stabilité. Donc ça me disait, j'ai reçu un message, attention, la stabilité de Noveria est trop basse depuis trop longtemps. Si vous faites pas attention, elle va se déciviliser et elle retournera, en gros, la population retournera à l'état sauvage, quoi, globalement. Ils coupent tout contact avec la Fédération. Moi, je me dis, ok, c'est bon, j'ai un peu de temps pour redresser le machin. 15 minutes après, bon, bah, Noveria est repartie à l'état sauvage. Ce qui a entraîné la perte totale de mon inventaire. Donc, toutes les armes que j'avais accumulées depuis bah, les 40 heures qu'on a passées dernièrement, ou 50 heures, je sais pas combien on a passé de temps sur le jeu, tout ça, c'est parti à la trappe. Tous les objets rares que j'avais accumulés, que j'avais stockés ici, c'est parti à la trappe. Tous les bâtiments que j'avais craft, qui m'ont coûté peut-être 5 millions de crédits depuis le début, c'est parti à la trappe. Donc voilà, j'ai vraiment tout perdu, comme ça, d'un coup. Donc. Et j'ai dû couper le stream hier après ça. Donc on retourne à peu près, on est à cet état-là. Alors je suis pas devenu ennemi de l'Empire, mais effectivement, en plus de ça, le fait d'avoir lié un pacte avec les personnes, la Person League, ça a fait que j'ai perdu beaucoup de relations avec l'Empire, sachant que le pacte a été rompu dès qu'ils ont terminé l'expédition punitive, parce que je l'ai pas repoussé. Donc ouais, voilà, c'est. Comme quoi, faut pas maltraiter sa population. Mais j'ai rien maltraité, c'est les autres qui m'ont maltraité. Alors. J'ai récupéré ces vaisseaux-là. Hop. Sur la Person League, je voulais les stuff. Hein. Le mettre des équipements, des armes et tout ça. Histoire de les rendre viables. Mais je ne peux pas le faire puisque toutes mes armes étaient stockées.
dans la planète qui a été détruite. Voilà. Bon, et maintenant qu'on a terminé cette petite discussion fort intéressante sur le sens de la vie et pourquoi le suicide n'est pas une option finalement si inenvisageable que ça, eh ben on va pouvoir continuer notre petite aventure. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors par contre, du coup... Il y a l'hégémonie qui va arriver sur Palaven. Là, je suis censé produire de la drogue, non? Pourquoi j'en produis peu? Je sais pas ce que ça veut dire cette icône. En fait, je sais pas, ça, je crois que ça veut dire que tu les fabriques. C'est vrai que je suis pas du tout retourné. Elle est où ma planète à moi? Virmir. Ah, il y a un com relais, c'est bon. Ouais, dit comme ça, si t'as l'air plutôt mal. Ouais, hein, c'est. Je plaisante, Twitch, hein, évidemment, je plaisante. Ok. Donc là, Disrupted, la station orbitale, la raffinerie Disrupted aussi. Falloir que je refonde des colonies, tout ça, mais c'est un peu la misère. Donc dans un premier temps, je vais aller vendre. Oui, bah, je peux pas vendre ma drogue. Ah oui, je voulais manage. Attends, attends, je me balance, je galère ma race. Non, c'est ça. Manage de colonie, colonie info. Je vais faire... La J-Core, ça me réduit mes revenus, mais vu qu'il y a l'inspection de l'hégémonie qui va pas tarder. Yep, long pénis. Non, Panglénis, ah pardon. Ça parle de drogue, oui, mais c'est normal. Alors, Auric fait divers pour avoir conduit ses follow au pire. Oui, non, c'est pour ça que je précise Twitch, je rigole. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un sujet assez compliqué à aborder quand t'es en live. Bon. Il y a un truc à côté du soleil, c'est quoi? C'est un champ de débris encore? Mince. J'ai cliqué sur cancel. Bon là, le souci, c'est qu'il va falloir que je récupère toutes mes armes, toute ma flotte. Enfin, c'est, en fait, je suis vraiment dans la merde, mais genre de A à Z, quoi. Yep, Carlito. Retour à l'âge de pierre, ah, c'est rigolo, hein? Foiré. Je plaisante, évidemment. Sport, c'est quand même bien plus poussé que sport. Quand même. Enfin, voilà. Pour les grandes lignes de... J'ai enlevé tous les noyaux IA, donc du coup, Hégémonie, normalement, ils vont plus être mécontents avec moi. Et est-ce que je tente de me réassocier avec le Tritachion, à votre avis, ou pas? Attends, je peux faire ça, c'est vrai. Inverser la polarité. Hop. C'était bien, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que c'est bien plus complet ça que sport. Après, sport c'est sorti il y a genre 20 ans. Il y en a plein des couloirs là. Ça veut dire que la stabilité va monter de 3. Dis que je suis vieux, t'es aigri. Moi j'ai joué à sport, mais j'ai pas joué à la sortie. J'ai joué bien, bien, bien plus tard. Je crois que j'ai joué quand j'ai vu une vidéo de JDG qui parlait de sport.
Je pense que je vais essayer de filer des noyaux IA à l'Imperium. Deus, Rector, Major, Collator. Deus. D'accord. On va garder celui-là, quand même. Les bêta corps, c'est bien, mais vas-y. On est passé à moins 23. Ce qui suffit à négocier. Pour l'instant. Et ça me fait un peu d'income pour aider ça. Ça me fait oublier la mort de Sophia dans les OFP. Quand le mec il balance comme ça, la mort d'un perso sur un autre jeu. Est-ce qu'il y a une flotte à côté? Il y a une là. Inspection, mais en vrai c'est pas grave ça. Genre j'ai plus aucun, j'ai plus aucun noyau IA. Donc c'est pas trop grave. Je sais pas si je tente de négocier avec Tritakion. Vas-y, tant pis. Attends. On va se mettre genre par là. Par où c'est le... En bas à droite. Okay. Ah, je me souviens même pas de ça, Royal. On essaie... J'essaie d'oublier, moi, genre de... Genre de truc... Anagramme ça si vous. Si je devais m'inquiéter de chaque fois que quelqu'un râle parce que je supprime son message alors que bon, j'ai généralement tout le temps des bonnes raisons de le faire. Enfin, j'ai tout le temps des bonnes raisons de le faire, je sais pas pourquoi je dis généralement. Lui. Battle carrière. Combien ça coûte de plan de déploiement? Déploiement pas 22. C'est pas très cher en vrai. Pour combien de fighter bay? 2 fighter bay, vas-y, on va l'acheter aussi. En vrai, j'achète des vaisseaux, je suis un peu con là. C'est un peu bête de ma part d'acheter des vaisseaux alors que. J'ai même pas de quoi les. C'est pas un destroyer, c'est pas celui-là le dernier coup que j'avais. Je crois qu'il y avait deux autres missiles.
600, 600. J'ai plus de sabots. Hein. J'ai plus aucune arme même. C'est vraiment la misère. En termes de stuff, j'ai vraiment rien, c'est la misère. Je manque carrément de ventilation en fait. Ça me coûte... C'est 1000 ces trucs là. Enfin 800, 800. En gros je tire 3 secondes et j'ai plus de bouclier quoi. Là, je fais un clic et je suis sans bouclier. C'est joli par contre. On va se mettre en automatique. C'est quand même vachement joli. J'aime pas du tout les light phases. J'aimerais bien des trucs, des petits trucs à 600, les pulses machin là qui font piu-piu. J'ai rien en vrai. Bon. Je voulais par contre targeting unit, je l'ai pas mis. On va dire que c'est bon pour celui-là, c'est naze, mais j'ai rien d'autre alors. J'ai vraiment rien, c'est insupportable. Avoir tout perdu, ça me rend fou. Là, j'avais mis des heavy mauleurs, mais alors du coup, j'ai pas de heavy mauleurs. Je vais juste mettre... mettre deux comme ça à 1500 de portée. Et là je peux mettre des missiles. Mais c'est naze. Là, je crois que c'est 800 de portée. Là, je peux mettre lui du coup à 700 de portée.
C'est vraiment naze. Ah, je déteste ce que je suis en train de faire. Pas avoir d'armes, c'est vraiment. Bah. Les vrais pros, faut gagner avec les petits lasers M15. Laser M15, c'est pas dans FTL ça? Fighters. C'est vraiment naze. C'est quoi Casuality? Je sais pas. Quel enfer. Je vais quand même tester, voir ce que ça vaut, mais. Ça, c'est des vaisseaux qui vont être juste bons à taper des pirates. Hein. Ah, les armes que j'ai mis là, j'en aime aucune. Genre vraiment. Ah, les drones. Les drones que j'ai mis, je les aime bien. Bon, c'est un porte-nef, donc leur, son intérêt, c'est surtout les drones. Qu'est-ce que c'est son pouvoir qui spam là? Eh ben. J'allais dire, je peux pas avoir d'autres drones un peu. Mais non, non, j'ai aucun autre drone en fait. C'est même pas. Bon, bah écoute, voilà, tant pis, voilà, tout naze là. Voilà. Je suis un peu triste par contre que les machines ne soient pas hyper bas ici. Ok, et du coup ça on peut vendre ça où? Corvus. Semer. Je suis suspecté de marché noir, mais de toute façon. Voilà. On va falloir remonter le truc avec l'Empire. J'ai vraiment. Je pense que je vais essayer de Tritachion. Tant qu'à être au sol, je vais essayer de voir ce que veulent le Tritachion. Mais en même temps, s'ils réenvoient une expédition punitive eux aussi, j'aurai aucune chance de les contrer. C'est un peu un pari risqué, quoi.
Je vais faire du. J'ai acheté toutes les armes du monde. Persanique de merde. Je les déteste. Allez! Acheter quand il n'y a pas de ligne orange, puis revendre dans un système pour faire du bénéf. Ou alors, non mais arrête, Royal, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Je le fais tout le temps. Je le fais au moins 10 fois par heure. Hein. Faut ouvrir les yeux par contre. Tu gâches pas de bénéfices. Mais bien sûr que si. Sinon t'aurais du fric. Mais j'achète des trucs avec cet argent. Sinon comment tu veux que je reconstruise ma flotte à chaque fois? Là par exemple j'ai acheté 3 vaisseaux, enfin 2 vaisseaux tout à l'heure. Oui, si j'achète des vaisseaux, forcément mon argent diminue. Normal. Généralement c'est comme ça, c'est pour ça que je stagne, c'est parce que hop, j'achète des vaisseaux, je lance des bâtiments dans la colonie que j'ai perdue. Et c'est avec tout le fric que je génère ici que je peux me permettre de faire ça. Le fric, je le stocke pas. Pourquoi ils me poursuivent? C'est que les indépendants. Évidemment, si je dépense absolument rien en argent... Si je n'achète ni vaisseau, ni armes, ni bâtiments dans ma colonie, ouais, effectivement, j'aurai plus d'argent, mais bon. Pas très intéressant. Ça ne sert à rien de mettre de heavy mauler tant que j'ai pas. Oui, mais oui, c'est pour ça que c'est embêtant. Mais je dépense quand même mon argent. Action hégémonie, Nice, ouais. Je dépense quand même mon argent dans des trucs. Là par exemple je suis en train de racheter des armes et des trucs comme ça et que j'ai perdu tout mon inventaire, faut que je le reforme parce que le problème c'est que si je stocke toutes les armes quelque part. Forcément si je les perds je peux plus build. Ah bon? Ah j'avais pas fait le rapprochement, ah ouais? On serait bien que de trouver un truc pour vendre là parce que depuis tout à l'heure on se balade. Algébar.
Ça coûte vachement cher les drones. Voilà, 4000. On va mettre le même. Ça, c'est 10... Comment ça se fait que ce soit 10 000 les. Price 10 000 par unit. Pourquoi ils sont si chers que ça alors qu'ils coûtent pas grand chose? Avec ces drones là, est-ce que ça se passe mieux? J'ai toujours des armes de merde. C'est pratique en vrai. Ils ont plein de canons à ion, ils désactivent la plupart des armes. Par contre, mes armes, les armes du vaisseau en lui-même sont nazes. Genre, les drones, ça va. Mais les armes, oh la vache. Trucs qui font boum boum gauche à droite là. Ces drones-là sont effectivement pas mal du tout. Ils ont juste un ion canon. Mais sachant qu'il y en a 5, hein, c'est très dans l'agression, j'aime bien. Alors, il faut du coup qu'on aille vendre. On avait dit ça, la drogue, à Algebar. Se refaire un. Alors d'ailleurs, j'ai pas trop. L'analyse IA, vu que je suis allé enlever les trucs avant. Enlever les noyaux IA, pardon, avant même que l'event se déclenche. Je sais pas comment ça va se passer. Non mais je les ai récupérés dans l'inventaire. Enfin j'en ai récupéré oui, j'en ai récupéré dans l'inventaire et j'en ai vendu quasiment tous.
Sur un peu d'argent. On va aller à là-bas. Il va vraiment falloir que je recolonise une planète ou deux. Et du coup, je sais pas trop. Est-ce que je vais voir Tritakion, à votre avis? Est-ce que je vais voir Tritakion pour leur dire, hey, est-ce que tu m'aides? Vu comment ça s'est passé le dernier coup? Avec une autre faction? Pas. Alors ils sont, je suis pas allé au persan, ça c'est sûr. Mais enfin ils vont pas me le dire puisque j'ai bien vu dans l'interface que ça a changé. Par contre, moi c'est surtout, est-ce que je leur demande de l'aide et qu'ils vont me dire oui ou est-ce qu'ils vont me dire oui 20%? Bon voilà, maintenant on envoie une expédition punitive. En fait c'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils envoient une expédition punitive directe. Arcadia Citadelle. Arcadia Citadelle. Le comportement des revenants avec les factions. Ouais, peut-être qu'en fait c'est eux les gentils de l'histoire. Ils cachaient juste bien leur jeu. Oui, j'avais dit ça, c'était à Arcadia Citadel, oui. Ah, tu vois bien que mon pognon il monte quand même. Tu le vois bien que ça monte petit à petit. Et pourtant, j'achète des armes et des vaisseaux. Enfin, là, j'ai pas acheté de vaisseaux depuis quelques temps, mais. Pourtant, j'achète des armes. Aslan, Aslan, Arcadia, Arcadia,
Aslan, Aslan. Alors, Aslan. C'est ça, hein. Non, c'est Arcadia, putain. C'est de là, Aslan. Lequel est le plus proche entre Arcadia et Aslan? Ouais, alors, on va le faire plutôt comme ça. En plus de ça, j'ai de l'incom. C'est bien, ça change. Faut dire que j'ai plus la planète qui est en déficit incroyable. J'exploite pas de Marines. Hide Command, ça fait quoi? $150 000. Ça coûte 20 000. Mais ça coûtera 26 000 de... Ok. À quoi en vrai? Ça fait juste qu'il y a plus de... Genre Ground Defense c'est x1-3 au lieu de x1-2. Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Batterie. Ah, ça fait quoi? Ground Defense. Ouais, on va commencer maintenant. Le orbital station mid high tech, voilà.
Falloir des... Il va me falloir plein d'autres planètes en fait. J'aimerais bien, si possible, ne rien importer. Bon, ce sera pas possible à mon avis. Non, importer le moins possible. J'ai pas sauté au bon truc là. C'est bien ça, Citadelle Arcadia. Sont bien ceux-là. J'ai combien de ray gun? 8, j'ai pas besoin d'en acheter d'autres, je pense. À la mocher. On va voir ce qu'il y a là-bas. On peut revendre des trucs normalement, mais c'est tout. C'est ça. Et ça. Oui. Je suis trompé, je vends tout ici. Ou alors ils ont rien. Navy machine, il y en a pas là, non? Du coup, vas-y, viens, on va se battre. Hein. Attends, monsieur hégémonie. J'ai un noyau IO sur moi, j'ai pas envie de le perdre. Pirate, je suis pas hyper chaud. Bon, on est à 900 000, enfin 1 million. J'ai rien trouvé de l'équipement pour les. Ah. Là, d'accord. Là, bien. Là, ok. De l'équipement pour les vaisseaux qui me restent. Il suffisait de demander. Donc c'est ça, j'aimerais en acheter. Il faut qu'on aille où? Je peux en acheter un peu ici, mais à 400... Ouais. À Valhalla. La drogue. Magic. Magic, ouais, c'est bien pas cher.
Alors, est-ce que là j'ai assez du coup pour refaire un vaisseau de plus? Je pense que oui, en vrai. J'ai pas les méga torpedos encore. Distributeur, on peut le virer. On va mettre plutôt que le bouclier cassé. Voilà. Bipone. Ça fait combien là? Ça fait 600 à peu près. Plus le bouclier, ouais, bon, on va dire que c'est bon. Alors, fais voir ce que ça vaut, du coup. Pas le meilleur hein, c'est sûr hein, mais bon c'est mieux que dalle. Pourquoi tu prononces pas weapon? Je sais pas, je dis quoi, weapon? Oh, je sais pas, je m'en fiche un peu en fait. Mon accent anglais, bon je sais qu'il est déplorable mais tu vois je fais gaffe des fois Ouais, non, ces torpedos sont nazes. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment, vraiment de la merde. Soit le squale, soit le trébuchet. On a 500
385, 725. 945. En face à ça. Ouais, tu recules, monsieur. Le mec ne fait rien, il attend juste. Ouais, il s'est juste bombardé de missiles et il veut pas s'approcher. Ah ouais, mes bonhommes. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Bon. Bah non, mais c'est juste, c'est logique en fait. Le gars, en fait, c'est juste que le mec en face, il prend des dégâts dans son bouclier alors qu'il a pas commencé à tirer. Donc ce qu'il fait en termes de logique, vu qu'il a des armes distance, c'est qu'il recule pour régénérer son bouclier et ne pas taper. Ah si, si. Si t'es sur du 1 contre 1. Quand t'es sur du 1 contre 1 et qu'il y a un mec qui a plus de portée que l'autre, il va jouer de cette portée et il va toujours reculer. Et c'est pour ça que des fois en fin de combat, les vaisseaux rapides, c'est une galère parce que je dois les suivre à travers toute la map. Là, tu vois, c'est une unité qui a des armes qui est plutôt proximité et qui est plutôt basée sur l'armure que plus que sur les boucliers. Donc c'est plus facile de le toucher. La dispersion des tirs, c'est juste lamentable. J'ai vraiment rien de mieux là. Ça à 600, mais. C'est à faible portée, mais ça va me. C'est un peu magique ça. Ça consomme vraiment trop ces trucs-là. C'est trop bien hein, en termes de dégâts, dommage par seconde 400, mais ça consomme trop.
On va laisser ce truc-là un peu naze. Et du coup là, je peux mettre ça, on va mettre ça du coup. 700 de portée. À 700, j'ai rien. C'est juste contre la coque. Shield. Hop, hop. On est à 550, 750. Ah, il est tout cassé, donc je suis pas sûr que ça marche, mais. On va le réparer avant de faire les tests. Ouais, je peux pas, oui. Faut que je fasse. Hop, voilà. De plus. Il faudra affronter un autre destroyer. Mais là, pareil, j'ai aucune arme anti-bouclier à part les missiles, donc... C'est ce qui lui manque à lui. En vrai là ça va, mais c'est ce qui lui manque. Il lui manque ça. Faut 12. On régène les missiles. Reload capacity 4. Reload cost 3, non, il faut pas ça alors. On va plutôt mettre ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? J'ai l'impression que ça génère quasiment pas de flux de. Ces armes-là, alors que pourtant le calcul disait que si. Mais ça génère pas. Quasiment pas. Mais un peu quand même. Ouais, c'est bon. Je crois que ça monte un petit peu. On va faire comme ça. Ok, et bon bah pour le dernier j'ai pas assez pour le refaire, mais au moins on commence à avoir un début de petite flotte pour tuer des pirates. Hein. C'est pas les meilleurs builds, hein, clairement. Mais bon. J'avais dit que je voulais acheter ça, c'est ça, Valhalla. J'ai pas regardé les vaisseaux s'il y en avait avant. Ouais, mais.
Parce que j'ai vraiment envie d'en acheter. Alors que j'ai pas les armes. Pour l'instant, on va pas les acheter. On va juste se concentrer sur faire du pognon. On va faire du pognon et réinvestir tout le pognon dans faire du pognon. Acheter des armes évidemment hein. Si jamais je vois des armes qui me sont utiles, je vais les acheter. Je surveille à chaque fois, de toute façon c'est le seul truc que je regarde hein, limite. Et du coup je voulais regarder ça, donc c'était Valhalla, et puis j'aimerais regarder aussi ça. Il y en a Izira et Valhalla. Bah parfait, bah on va aller à Valhalla. Une fois que j'aurai équipé le deuxième. C'est quoi? C'est croiseur lourd, ça? Ouais, c'est ça. Une fois qu'on aura équipé le deuxième croiseur lourd, je pense que je vais pouvoir commencer la chasse aux pirates. Alors, je sais pas où va Valhalla par contre. Ça. Par les alliés. Hey. Alliés avec qui on va redemander de l'aide. Enfin, c'est pas les mêmes, mais. C'est pas les mêmes parce que j'ai pas envie d'avoir deux fois le même résultat, notamment. J'ai vraiment apprécié quand vous m'avez arraché le cul contre un ensemble de bénéfices, on recommence. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on va plutôt demander à quelqu'un d'autre. Voir si c'est à chaque fois pareil. Comme ça, bon, ça va faire mal, hein, évidemment, si c'est à pareil. Je pense que. Même si c'est pas la même chose, va quand même y avoir. Attends, j'ai pas regardé les armes. Même si c'est la même chose, je pense qu'il va quand même y avoir une. C'est pas la même chose, pardon, va quand même y avoir une petite contrepartie. Bon, ouais, on peut faire un pacte si vous voulez. Penchez-vous 2 minutes. Pourquoi? Non, non, t'inquiète pas, penche-toi juste. Bon, très bien. Et je vais voir, il faut que je passe 2-3 planètes de Tritachion. On va aider la station. Bon, ils sont pas tant que ça, les pirates, mais. Alors, ça c'est high-tech ou c'est low-tech? Ils ont des Mjolnir, j'adore les Mjolnir. Je crois que c'est Mjoltech, low-tech. Pourtant, elle est trop belle avec les Mjolnir. Je voulais dire stylo, mais je me suis auto-cité. J'ai fait tomber mon stylo. Vous pouvez le Royal Carnat ramasser?
Est-ce que t'as quelque chose que tu voudrais nous confier, Royer? T'as quelque chose dont tu voudrais nous parler un peu? Je les aide juste, hein, parce que je... De toute façon, ils auraient gagné, mais... Pour gagner un peu de leur réputation. C'est tout. Est-ce que tu veux que je t'aide à ramasser ton silo, Royal? Tu veux qu'on en discute, toi et moi? Remarque, elle surchauffe vite la station. Augmenter de 1. Bon. Ah, augmenter de 5 avec l'hégémonie. Ah, parce qu'il y a des primes dans le système. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. J'ai déjà dit que j'aimais beaucoup cette musique. La musique Tritachion. Izira, et là c'est Izira aussi, n'est-ce pas? Il faut qu'on aille à Izira faire du commerce. On va d'abord passer à Ibrazil. C'est Brésil pour tenter de demander de l'aide au Tritachion, voir comment ça se passe. Et si jamais il m'envoie une attaque directe dans la gueule, bah ça veut dire qu'en fait il y a tout le temps les attaques dans la gueule. Et du coup on saura que la prochaine fois qu'il faut vraiment demander de l'aide, et ben... Eh ben, il faudra le faire en étant préparé. Les missiles sont partis dans une...
Bah alors, on est en train de fuir, c'est chiant. Ok. On se convertir en remnant. Ils ont moins de problèmes. Ils se posent pas de questions, ils chillent dans leur système, ils font rien d'autre. Alors, est-ce que c'est là? Il me dit pareil, c'est bizarre, il me dit pareil avec les personnes ligues. C'est louche. Pourtant, personnes ligues, j'ai plus d'accord avec eux. Hein. On a vu comment ça s'est passé la première fois. Ça m'embête parce que là je pensais vraiment que ça allait être ok. Pas ok ok mais ok pour test quoi. Badabam. Badabam. Peut-être pris un peu trop, remarque. C'est un destroyer avec deux médiums seulement, mais il y a des drones. Ah, ceux-là, non, je suis pas fan. C'est un destroyer qui coûte vraiment pas cher à déployer, donc faut voir ça aussi, peut-être. Et je réfléchis aussi à fait d'ajouter le. Je sais pas où c'est. Escort package. Pour installer sur les destroyers.
C'est avec ils augmentent leur vitesse, leur manœuvrabilité, leur portée et tout, quand ils se battent à côté d'un vaisseau capital. Il me reste 2 points d'histoire là, 31. Je pourrais faire mon build du dernier coup là. Après, je sais pas s'il est bien en automatique. Alors quand je le joue, je sais qu'il est bien. Pour le reste, ça me fait combien? Ouais, je peux réduire un peu, beaucoup même. Shield. Donc on est à combien du coup? Avant de faire l'accord, ils vont pas me protéger en envoyant une flotte dans la gueule, hein? Ouais, je. 760. Plus ou moins, donc je peux encore réduire. Je me souviens que j'arrivais assez facilement à tuer ce truc-là. Est-ce que si je l'ai en automatique? Parce qu'en automatique, je crois qu'il gogolise. Il n'arrive pas à bien le jouer, le bot, ce vaisseau-là. Cet archétype. Hein.
Il fait vraiment pas grand chose en fait. Il est bien, mais il est bien seulement quand c'est moi qui le joue. Quand je le joue pas, il... Ouais, non mais c'est bon. Non, je trouve trop bien, hein, mais... Bon. Pas en le jouant, quoi. Moi ça me fait 650. 650 seulement? Ça va. Est-ce que là du coup c'est un peu mieux? Oh, c'est le bot qui joue parce que c'est le bot qui va le jouer donc... Mal. De toute façon, j'ai rien d'autre à 700 là qui. Alors, c'est dégâts contre la coque. Badapam. Bon, c'est pas trop mal en vrai. Il faut un plasma canon, j'en ai pas. Du coup, l'autre, est-ce qu'on le fait le même? Ah, je peux pas, j'en ai qu'un. Hop. Masse. Hop. Et du coup l'autre. Sauf qu'il me faut, ils me font ça. Ça on va virer parce que c'est vraiment de la merde. On va mettre soit le ça, sinon le craft, le trébuchet, hein, vas-y. Voilà. Il nous restera ça quand on trouvera les armes en question correspondantes. J'ai plus que 140 000 dollars. Il y a beaucoup d'argent qui est parti, là, dis donc. Asconia pour revendre ça.
Izira pour en racheter. Izira pour en racheter ici. Enfin, d'abord que je revende des trucs avant, je pense. Tracia pour ça. Tracia pour ça. On va aller à Tracia. C'est quand même bien d'avoir de l'income. Hein. Franchement, j'avais oublié ce que ça faisait. Alors, Tracia, c'est ça? Pour vendre des trucs. Tracia. Tracia, c'est ça. Allez-y. Y a pas des primes dans le coin? Bounty, juste là, mais c'est quasiment fini. La prochaine prime, on l'a fait. Ah. On va voir si le fait d'... En fait, je vous explique pour l'inspection IA, pour ceux qui comprennent pas. Normalement, quand t'as une inspection IA et que t'enlèves tous les noyaux IA, genre, l'inspection est lancée. Enfin, le voyage vers la planète est lancé. Et si t'enlèves les noyaux IA le temps que, qu'ils arrivent, en gros, ils arrivent sur place, ils disent « c'est bizarre. Vous avez fait 12 millions d'unités produites alors que vous avez 3 ouvriers ?» À mon avis, vous utilisiez une IA. Et voilà, du coup, ok. Et ça réduit la relation avec eux. Je me demandais si le fait de enlever avant que ce soit envoyé, ça, enlève, ça réduit aussi la relation. Et visiblement, oui. Donc il faut vraiment ne pas mettre d'IA du tout. Il n'y a pas moyen de moyenner. Blek. Qui est ce Blek? Balek. Bah non, parce que ça réduit la relation beaucoup. Et genre, moins 20, c'est un peu galère. Hein. En même temps, vaut mieux perdre moins 20 en relation que... Bah, que tout perdre, quoi. Bon, on aura la moitié de moins d'équipage nécessaire que ce qu'il faut pour contrôler le vaisseau, mais... Et ben voilà, parfait. Voilà, je peux vraiment faire des magouilles comme jamais. J'ai tout à gauche et je revends tout à droite. Il ne regarde pas. Ouais, mais l'hégémonie, ça va en vrai. Je suis plutôt en bon terme avec eux. Ah ouais, là, c'est offre en or, quoi. La vache! Dans un même système, il y a moyen de se faire
Pas mal de pépettes. D'obtempérer, je sais. J'allais pas leur refiler ma contrebande. C'eût été inconvenant. J'ai pas eu le choix. Du coup, il me re-aime plus, l'Empire. Soi-disant parce que j'ai fait un refus d'obtempérer. Soi-disant. Ouais, là, du coup, il veut pas négocier. Ils ont pas l'air d'être hyper chauds pour la négociation. Encore une fois, de quoi ça peut venir? Mais qu'est-ce qui se passe? Défendre le truc, ils veulent pas négocier les salauds. Virmir a grandi. Virmir a grossi. Peut-on faire une planète sur Virmir? Industrie. C'est pas la bouffe qui nous manque et qu'on importe en boucle? Une ferme, vas-y. La vendre ici, mais je peux pas négocier avec l'Empire actuellement. Je peux aller à Ima. Asconia. Asconia aussi. Asconia également. Et avant d'aller à Asconia, on peut aller en racheter à Issyra. Vas-y. On va faire Issyra plus Asconia. Pour l'Empire, on reviendra négocier avec eux plus tard.
C'est long de remonter par rapport à tout ce qu'on a perdu, hein. Ah, pourquoi? Pas la veine. Pourquoi pas la veine d'aller en... Pourquoi la... Wow. Ah oui, c'est l'inspection... ok. Trou dans les finances là. Y a Bolgo. Cette blague a déjà été faite hier, mais vas-y, on valide quand même. C'est pas de chance. Je dirais même que c'est pas de la veine. PTDR. Le fait que je le banne, je me souviens plus. Quel dommage. Ah, c'était lui? Bah, ça m'étonne qu'à moitié. Retrouve un screen. D'ailleurs, Royal va regarder les VOD pendant 2 heures. Asconia et As... Et Asconia là. Système outil Tracia. On va retourner à Tracia, on va devenir copain avec l'Empire. Quel screen dans 5 minutes. Vous allez tous vous y mettre pour retrouver l'effet. Bolgo coupable. Mais Royal, je le sens bien. Enfin, il répond plus, c'est pour ça. Regarde, j'ai pas su où les refourguer, ça me kikine cette histoire. Pas trouver de place ma canon non plus. Oh, en vrai, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que j'irai pas direct? Umbra. Est-ce qu'on y a Nortia. Nortia, Nurta, Umbra.
Un bras, ok. Bon. Mal au bras. Quelle souffrance. Bonjour. J'ai perdu 40 heures de jeu, lol. Je les ai pas perdu, perdu! Je garde l'XP, je... Bah non, non, bah non, je garde l'XP, je garde les plans que j'ai appris, je garde plein de trucs. C'est juste que oui, ça fait un sacré coup, quoi. Pas comme si j'avais perdu ma save. Super de l'XP. Bah non, mais en vrai, c'est utile. Arrête de voir le verre à moitié vide, Royal. Un jour, ça va te faire des histoires. Hein. Tu vas avoir envie de taper dans des murs hein, avec ta tête. Hein. Eh ben, sacré pognon. Si les murs sont bien montés, pas de problème. Non, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui tapaient dans les murs avec leur tête étaient totalement sains d'esprit. Million 4 les gars. Hop. Bon, ça c'est fait. On a le pognon. J'aurais bien aimé avoir un petit plasma canon ou une lance à tachyon en plus, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, on fait un petit scan de routine. Des marines, parce que ça me sert à rien de les garder. Buis. Ah. Mais en plus, il est moins abîmé que l'autre. Hein. Ok. Ça a tombé sur mon clavier, ça a cassé un truc pro. Heureusement qu'on trouve la liste. Ah merde, c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. C'est pas une blague ou une façon de parler. Ah non, non, c'est pas une blague.
Je peux pas trouver de Hyper Velocity Driver. Donc je vais mettre ces trois trucs tout moches. J'ai plus d'autopulse. Bah alors. Je pensais que j'en avais un peu de rab. C'est si naze ce que je suis en train de faire. Alors, ok. Paladin. Du coup, Vipulse et Vipulse. Et Vipulse. Ouais. 2300. Ça coûte vraiment trop cher ces machins. 1300, pardon, pas 2300. Si, c'est ça, 2300. Oh non, mais la vache, les gars. Genre pitié quoi. 2300, je clique une fois, enfin je clique à peine ça. Genre là le 1, on est d'accord que le 1 c'est... Ça sert à rien, tout ça, ça sert à rien, c'est de la gnognotte. Bon, le vaisseau, mais oh, calme-toi. Et bye Medros, je sais même pas si je t'ai dit bonne nuit, du coup. Bye Medros, merci d'être passé, des bisous, à la prochaine. Quand je lis ton message,
Je réagis, puis je percute pas, que ça veut dire que tu vas dormir. Donc là, je suppose que t'es déjà parti. Ah non, c'est bon, t'es là. Bye, Medros, merci beaucoup, merci de passer. Niveau flux, c'est déjà plus raisonnable. Heavy Mauler, Heavy Mauler, il retolance, vas-y tombe. On est genre à 1100. Ça va être un peu mieux déjà un truc comme ça, c'est pas l'idéal. Hein. L'astéroïde. Alors il est en train de fuir le monsieur. Bon, on a clairement l'avantage, hein. De toute façon ça c'est évident. On va pas attendre la fin du combat. Fais voir du coup contre lui. Moi je tire plus là. Non, parce que ces machins là, j'ai l'impression que ça se comporte comme du point defense. Bah non, c'est du point defense, rien dit. Pourquoi je tire plus des fois là? Joue pas très bien. Hein. On va essayer sur un plus petit vaisseau. Je comprends pas pourquoi des fois mon laser arrête de tirer. Genre les 4 lasers là, ils tirent pas.
Ah, il tire non-stop, tout à l'heure il tirait pas, je sais pas pourquoi. Augmenter la portée, je sais pas. Par contre, la réduction, c'est pas du tout ce que je pensais. Je suis à 1000... Ah, j'ai pas compté le bouclier, peut-être. Ah bah oui, j'ai pas compté le bouclier. Va être un peu mieux pour la dissipation. Bon. Go vers le système de Tracia pour taper des pirates. On va attendre encore un peu, mais il reste encore 48 jours. J'attends de passer à une taille au-dessus et je désactive le truc cryogénique, ça me fera déjà plus d'organix. Encore, encore autant. Allez, pas la, mais pas la veine, c'est bon là du coup. C'est réglé. Pirates. On va dire 30 jours après, généralement, il n'y a plus beaucoup de pirates. Malheureusement. Je place ma canon, je suis pas venu pour rien. Je sais pas si j'ai tout le reste par contre. Ah, il manque. Il manque. Il manque les trucs derrière là. Un truc ici. Bon, dans les grandes lignes, ça va. Je vais peut-être les récupérer ici d'ailleurs. De quoi bof hein?
Un PD laser qui traîne quelque part. Ok, bah tout est clean. Combien on a en consommation? Cinq mille, 1100 des poussières. Ça va, bah oui, non, mais là c'est bon, on est bien remonté, c'est ça que je veux dire. Pas toujours être en chute libre non plus. C'est bien d'avoir de temps en temps un peu d'espoir. Hein. Ça évite le suicide dans l'atroce souffrance. Beaucoup de pirates dans le coin. Ah, attends, peut-être. Alors, peut-être. Oui, d'une certaine façon, tu peux être en chute libre perpétuellement, ou alors ne jamais tomber, c'est une question de point de vue, comme tu l'as dit. Bon là, ça va être la remontada des réputations en tout cas. Ce petit vaisseau tout nul. Thank you.
J'adore mon vaisseau. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être que je vire les squales dès que je peux, mais... Pénible les machins à fuir là. Voilà. Nombreux. Nous aussi. Donc là, on va engager ce gros machin. Celui-là aussi. Ah, ça coûte 25. Un peu ce truc là, oui, c'est un transporteur de combat, donc c'est vraiment naze en fait. On va regagner un peu. Destroyer. Je sais pas si ça vaut le coup d'investir, enfin, d'investir plus dans les destroyers que dans des gros vaisseaux, enfin, de faire un mixte. Sur le papier, j'aurais tendance à dire que oui. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est... Je suis où, moi? Voilà. Le souci que j'ai avec ça, c'est que t'es limité à 30 vaisseaux dans ta flotte. Censé être un tank, on est censé être un support. Été détruit, mais j'ai plus de points à rappeler là encore. Ah mais les alliés, faut dire, ils sont un peu dans la mêlée générale. Nous aussi, on est un peu encerclés en fait. Ils sont beaucoup les pirates. Thank you.
refroidir un peu. Je continue d'appeler des vaisseaux vraiment pour être sûr de pas perdre trop moi. Il est chiant, il a plein d'antimissiles celui-là. Lui aussi il a des dévastateurs et tout. Alors, charge. J'ai vraiment claqué beaucoup de missiles dans le vide aujourd'hui. Bon, comment ça se passe ici? Bon, visiblement bien, il n'y a que des carcasses de vaisseaux. Hein. Très bien se passer. Pourquoi il recule ce con? Pourquoi ils attaquent pas? Genre lui pareil. Alors, ils ont quoi? Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. Ils s'enfuient. Augmenter de 5 avec la faction. Empire! Et là, ça va encore augmenter, je suppose. Pas d'armes vachement chouettes, hein. Ah, c'est bien. Bon, les trucs que j'ai chopé là, ils sont pas mal.
Alors j'ai pas de quoi les stuff. Hein. Et ça c'est un destroyer comme on avait déjà. Et ça c'est le Dictator. Croiseur lourd. Qui est sympa en vrai, qui est sympa. Encore assez d'armes. Voilà, on est revenu en positif sur le income. Ça monte à 25 plus 25. Les solutions réciproques sont également possibles. Tritachion Corporation's Base. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire les solutions réciproques? Ouais. Bon, très bien, solution réciproque. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on vous prend 20% et qu'on vous attaque. Comment, j'ai pas compris, comment ça, vous prenez 20% et... Vous êtes trompé, vous voulez dire, on vous prend 20% et on vous protège. Non, non. On vous prend 20% et on vous casse la gueule. Ouais, bof. Ouais, je vais réfléchir. Non, j'ai dit pas non, j'ai dit pas non. Je vais juste voilà, prendre le temps de réfléchir. C'est quoi ça? C'est un peu trop compliqué pour moi.
Et du coup, avec ça, il y a plus 100 sur toutes les autres armes. Parce que tu vaux, toi, monsieur le croiseur lourd. DPS 100, et là DPS combien? 120. Ces canons sont vraiment mieux que les Heavy Mauler, mais même mettre des heavy molleurs. Point de défense. Il n'y a pas de point de défense sur les côtés là. PS158, PS160. Et là, bah. Les petits machine guns, je sais pas, enfin. Ces petits trucs là, je veux dire, je sais pas si c'est très utile. On va mettre des light cannon. Des light dual machine gun, pardon.
Alors. Et ça me fait combien? Oh. Beaucoup trop. 1300, on va dire 1400. 1600 de... Qu'est-ce qu'il consomme aussi cher? De ceux-là, c'est les pires. On peut gagner un peu en mettant des Lux Repeater ici. Bon, on va voir ça. Lamentable, hein. Un destroyer contre un croiseur. Y a rien d'aléatoire, Royal. Arrête d'être aigri, on a dit. C'est lamentable, lamentablement naze. Y a pas d'aléatoire dans le jeu, ouais. Pour le vaisseau, mais tu peux dire que tu mets ça à chaque vaisseau que je ramasse. Bah, vendez tous, c'est tout. Même là-dessus, c'est un peu compliqué. Enfin, on le détruit, mais... Mais c'est pas le vaisseau qui est nul, c'est le build sur le vaisseau. C'est quand même c'est qui. Oh là là, ici. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il a bon fond, hein. Mais je sais pas ce qu'on va faire de lui.
Qu'est-ce que ça me manque de plus avoir toutes ces armes? Et de devoir mendier à gauche à droite pour les trouver, en trouver des substituts. Y a vraiment pas de pirates là dans le coin, il est censé y avoir plein de pirates partout. Pirates? Pas du tout. Si seulement t'avais eu les 3 millions. Ouais. J'étais loin de les avoir en vrai. Ah, peut-être ça, c'est tout petit des pirates. Tout des pirates. Oui, continue. Voilà, merci. J'ai peut-être déployé un peu trop de vaisseaux, mais... Ça fait environ 50K, oui, voilà. Bon, j'étais très très loin de les avoir, là. Que je ne garde jamais des grosses sommes d'argent comme ça. Rapide, hein. C'était rapide. Est terminé. Exvis. Non, ça me l'a pas compté. Pourquoi ça me l'a pas compté? Je sais pas pourquoi ça me l'a pas compté. Bon, je me rends automatique, hein. Il y a peu de chances que je perde à 12 clodo contre 8 vaisseaux d'élite. Bonsoir.
Là, ça compte. En fait, on était trop loin, je pense. Flotte dans le grand vide stellaire. Bientôt une attaque des Tritachions. De la bouffe maintenant. Pour en attirer ces colonies. Peut-être juste me faire un bisou, tu sais pas. Encore pour la prime, 25 jours. Et on va sauter de toute façon. De toute façon, il n'y a rien en extérieur. De civils, mais il n'y a pas de pirates. On a augmenté que de pas beaucoup la relation, je crois. On est encore en négatif. On n'est pas en négatif négatif, mais on est en négatif. J'ai pas compris, il y aura... Non, mais... T'inquiète. On va se barrer là. J'aimerais bien retourner à Kazeron. Alors, non, mais c'est juste que on est en négatif, mais on est encore neutre, quoi. On n'est pas négatif suspicieux. Ce qui reste raisonnable. Sachant qu'on était à moins 50 au début du stream. Moins 8 en vrai, ça va quoi. On va reparler au grand chef là qui m'a envoyé une vague sur la gueule et lui dire bon bah
L'accord, on dit que ça marche plus? Parce que je me demande pourquoi Tritaki, on veut pas reconclure un accord, en fait. Je sais même pas si c'est possible, s'il y a que les personnes qui veut ou pas. Bien sûr, je prends, j'achète. Bien sûr. Ça aussi, je prends, oui, je prends tout. Vas-y, 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 je prends tout. Bonjour. Ouais, on est revenu au truc de base. Alors du coup, je sais pas pourquoi le Tritachion ils veulent pas. Kumari comme dame. Kumari comme dame. J'ai vu que je comprends pas bien. Yep, mais j'avais vu que je comprends pas bien l'anglais. C'est où qu'elle va avoir lieu l'attaque? On sait pas encore. Hein. Non, c'est juste que ça va avoir lieu, mais on sait pas quand. Je reviens vite fait. Voilà. En fait, faites-moi bien penser quand il est 9h du mat. Voilà, dites-moi, ah Aura, il est 9h. Parce que j'ai mes courses qui arrivent à 9h. Et j'aimerais, si possible, ne pas avoir à couper dans la plus grande panique. Enfin, 9h15 techniquement.
Parce que je m'en suis pas rendu compte et que j'entends sonner à la porte. You know, la fonction alarme de ton téléphone, mais j'entends rien avec mon casque. Vous êtes quand même un système bien plus fiable que mon téléphone. Ok, je mets une arme pour deux. Mais dis donc, tu t'es levé du pied gauche, Mme Ojar? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as mal dormi? C'est ton chat qui a encore fait tomber des trucs, c'est ça? Tu proposes une fiabilité. Ouais. Moi, je sens un peu de sarcasme quand même. Notamment dans ta première réplique. Très légèrement. Genre un chouïa. Léger, ouais. Léger, ouais. Que s'est envoyé de Satan quand celui d'une de mes connaissances s'est mis sur ses genoux pour lui chier dessus. Juste endolori par mes articulations et mon dos dès le matin. Bah moi aussi, figure-toi, mais ça n'a rien à voir avec avec un quelconque souci de santé. Ça vient principalement du fait que j'étais à la salle hier et que j'ai bien forcé, du coup. Je me sens endolori également. Moi, c'est de la bonne douleur. C'est quoi de la bonne douleur? Bah c'est de la douleur qui fait mal, mais que c'est bien. Je comprends pas, Aura. Ouais, non. Non, c'est un peu galère à expliquer. Ah putain, en ce moment. Non, mais en plus, je te jure, alors, le programme que je fais, vous savez peut-être pas, mais en musculation, quand tu veux prendre de la masse, prendre du muscle, le but c'est vraiment de forcer toujours. C'est pas de faire, genre, je sais pas moi, 10 répétitions d'un exercice ou. Tu vois, c'est un peu dur, mais ça va. Non, faut vraiment que tu pousses au maximum possible que tu peux faire. Genre, un kilo de plus ou une répétition de plus, tu pourrais pas la faire. En gros, faut vraiment pousser à la limite extrême de tes possibilités. Bah, en ce moment, la limite extrême de mes possibilités, ça fait que quand je suis à la fin, ça, c'est limite, j'ai envie de pleurer. Mais genre, premier degré, j'ai envie de pleurer. Genre, je sais pas si c'est énervé ou quoi, mais bordel. Mais sinon, tout va bien. Non, non, c'est sympa quand même. On s'amuse.
je vais de. Ah, enfin. Enfin, on en trouve un peu. On passe devant, oui. Ouais. Non, sur le moment, t'as effectivement envie de te flinguer. Mais après coup. Après coup, ça va. Bon, effectivement, sur le moment, ça va pas du tout, hein, mais. Faut se concentrer sur l'après. Évidemment. Je vais te regarder à chaque fois, j'oublie. Pour retourner à voir l'Imperium, faut voir ça. Ah non, mais je te jure, bon, j'ai pas tout le temps non plus, hein, mais hier quand j'y suis allé, la première série que j'ai faite. Genre, arrivé au deuxième exercice, je sentais que j'avais envie de pleurer. Je l'ai pas fait. Je suis un bonhomme. Un bonhomme qui pleure pas. Ah, inconnu. Mais limite. Limite quand même. Du coup, j'ai hâte de changer de programme. Histoire de découvrir de nouvelles choses. Ah, trébuchet, bien. Oh, encore des hypervelocity, parfait. Dual flag, j'en ai combien? J'en ai beaucoup ou pas? J'en ai 6 en vrai, ça va. Cher tout ça? Ouais, alors par contre 192, c'est pas vraiment une offre. Tant avantageuse que ça. Voilà. Ah d'accord. Là on discute. Quarante-cinq de dissipation. Je génère à combien moi? On va dire que c'est 1000. Ça c'est quoi? Ouais. Et ça? Ouais. 1300. 1500. Ouais. En vrai, si, il faut mieux mettre comme ça. Hein.
Autre solution ici. Attends, on va déjà le tester comme ça. Moi je voulais choper ici le deuxième trébuchet. Là, on va tester là-dessus. On va dire que ça... Non mais 525, il y en avait un autre à 401 des poussières. Ça, j'ai 975, j'ai compté 1000. Hein. Et là on recule, évidemment. On domine le fight même si c'est pas foufou. Je vais autofit. Hop. Et hop. Alors, en 1, hyper velocity, hyper velocity, hyper velocity, hyper velocity, hyper velocity, ok. En 2, les armes, tout va bien. En 3. Du coup, on a 1600. Parce que ça vaut. Oh, c'est de la triche, tu compares un truc et tu rajoutes deux.
de build-in à l'intérieur. C'est vrai que j'ai un petit peu de la triche. À l'autre bout, on n'avance pas. Ça, c'est la stratégie vraiment lâche. La même que la dernière session. Et Apoxylette, bah ouais. Baf. J'ai pas affronté tant de menaces que ça. Faudrait que tu continues d'avancer en fait. Ça tirait pas tout à l'heure. Est-ce que... Non, c'est bon, c'est marqué... Ah. Peut-être que c'est ça le problème. Non, je pense pas en vrai. Attends, on va essayer. Pourquoi tu dis y a rien qui fonctionne? Mais... Ah, on... Je sais pas si tu fais exprès. Source toi. Mais non mais. Je pense que tu fais exprès. Je peux pas croire qu'une personne puisse à la fois mal comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Tu ne peux que faire exprès. Me dit-il.
faisant comme ça. J'avoue, on domine, le problème c'est qu'on n'a pas la portée pour. Ça se passe quand même carrément mieux. Hein. Ça se passe quand même carrément mieux. Ok, bon, on va laisser comme ça. Un seul c'est 5%, le deuxième c'est 8%. 3% de dégâts en plus infligés au bouclier, ou alors. Ou alors on vire ça, on met un de chaque. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que à la limite, quand j'aurai deux yombim de plus, je pourrais virer ça, ces deux-là, et mettre des yombim comme ça. J'aurai à la fois gravitombim et yombim. Ah. Bon. Celui-là est toujours aussi naze, t'as dit. Je suis où là du coup? Parce que tout à l'heure là on rigole, on discute, mais. L'horloge doit être mise à jour. C'est important, hein, Royal. Mets ton horloge à jour. Que vont dire les gens? Si t'as même pas une horloge mise à jour. Et c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah non mais je suis bête. Je voulais inverser la place des deux trucs mais je peux pas. Ah là 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 là. Voilà, donc là on a des vraies armes à distance. Donc il va être vraiment utile ce vaisseau. Il fera pas juste office de figuration.
vraiment pas mal. C'est du support longue portée, mais... Non, je vais devoir faire pire que ça. Je vais devoir défendre ma base contre le Tritachion, c'est déjà pas mal. Pourquoi aller en plus chercher la merde chez les Remnants? Ah, je suis pas parti en guerre contre Tritachion, c'est juste que. Ils s'amusent à venir me chercher les noises. Moi, je suis pas en guerre contre les gens, moi. T'inquiète pas. C'est les gens qui viennent se balader, faire leur vie. J'avais mis quoi là à l'époque? Pulse laser, peut-être? Et non, Tritachion, j'en ai pas. Je peux en récupérer une ici, cela dit. Ce vaisseau est une blague. Ce vaisseau vraiment est une blague. Hein, vivant que je me débarrasse de ce truc-là. Ah, j'avais un truc là que j'avais pas mis. Ouais, j'avais pas mis de truc là, dis donc. Une aide du commandant du vaisseau que tu viens de décrire comme étant une blague. De quoi? Ah oui! Non, c'est ce vaisseau qui est une blague. Enfin, les lunettes. Bon. T'aimes pas les lunettes rouges? C'est pas trop ton style? Kéké sur 20. Eh, on peut être un bon capitaine et être un kéké, hein, y a pas de.
c'est de torpilles là. Je me demande si plutôt que de faire ça, mettre des ions canons, c'est quoi, fût par seconde ions canons, 500 de portée. Pour désactiver les trucs. Hein. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien comme ça? Avec deux petits piou-piou de plus. Hein. Qui désactive son bouclier là un petit peu. Je suis pas fifou convaincu de tout ça. Ouais, on n'avance pas beaucoup, hein. C'est plus agressif avant. Pourquoi?
J'ai rien à 700 de portée, évidemment, j'ai que 800 ou 600. Si je vire les armes... De quoi? C'est plus en cacahuète ou en marron? Je comprends pas ta... En fait, ça dépend de si j'arrive à désactiver ou pas ces moteurs avec les salamanders, j'ai l'impression. Salamander, par contre, je peux pas mettre mieux que ça. Anti-engine, y a qu'un type de missile, j'ai l'impression. Anti-armor, anti-shield, finisher, assaut finisher, anti-armor, torpedo, finisher, anti-engine, oui, c'est ça que j'utilisais. Ah, elle est marquée, ouais, d'accord. Elle est notée en... Voilà, 16 unités de mesure précisément. Ah ouais! Ah, d'accord. Il est blessé aussi. Pas blessé, abîmé. Ah, oh, mon vaisseau est blessé, mon vaisseau est blessé. Ouais, ouais. Chaque vaisseau ici a une âme propre, sachez-le. Quand même, ça peut pas être viable. Les pioupiou là, en plus. Vaisseau le vaisseau contraint, c'est un peu la misère. Bon, les ouf. On en était où? À chaque fois, je commence à faire des trucs et puis j'oublie. Je fais des builds et j'oublie tout. J'oublie où je suis, j'oublie ce que je fais, j'oublie mon nom. Embêtant. Ok, faut qu'on aille chez les pirates. Vendre des machines. Probablement vendre un peu de drogue aussi. Et des organes.
Tu parlais d'aller voir les Remnants. Ouais, il me semble. T'avais dit, j'irai, et puis pour prouver que je suis un vrai mec, je vais même y aller avec un seul vaisseau. Mais un gros, hein. Moi, je te dis ça, moi, je me souviens pas des détails, hein, évidemment. Presque dans moins de 1 minute. Merci bien. Merci bien, mon bon royal. Je surveille du coup. Si en gros, tu pourras lui donner mon nom si tu veux. Le Moulinator. Ah, mais attention. Gros, je veux bien, mais est-ce qu'il serait utile au combat? Ah, bah non, tout de suite. Quoi ça, mon alarme de téléphone? Bah, je t'avais dit. J'avais dit que vous êtes supérieur aux alarmes de téléphone. T'as pas voulu me croire et t'as fait preuve de sarcasme. Bah voilà. J'espère que tu t'en veux. Ça reste quand même relativement cher. Je suis mort de honte. Ah! Ah. Bah voilà. À prendre. J'espère que tu continueras de t'en mordre les doigts. Et que tu regretteras pendant des années encore. Exvis, exvis. Nulle part. Nulle part, Ima. La Tritaquion est pas encore en train de. Elle est pas encore partie. Il est 9h, je suis censé être au boulot depuis une demi-heure. Va falloir penser à me lever maintenant. Mais. Ça bordel. Bon courage, Molly. Parfois, je me demande. C'est parce que tu pars plus tard le soir ou que t'as des heures sup ou une grenade comme ça, non? Ça, c'est la partie que tu ne dis pas. Voilà là. Ça vient littéralement de pop. Hein. En haut à gauche. En haut. Il y a une flotte, je sais pas si c'est eux. Si ça va être eux. On va attendre qu'ils s'approchent un peu quand même. Ouais, je me doute bien. Dans quel boulot tu arrives? Mais dans quel boulot tu arrives quand tu veux? C'est la question que se pose. Non, non, je sais quel boulot il a. Mais je pense que si il se permet d'arriver en retard comme ça, c'est parce qu'il a genre, je sais pas combien de centaines d'heures d'heures sup en fait. Je suis quasiment sûr que c'est ça et il l'a confirmé. Parce que Mouli, c'est peut-être un vaurien, mais c'est pas un vandale.
J'en ferai mon épitaphe, bah bien sûr. Tant que j'ai pas de réunion, ouais. Tant qu'il n'y a pas l'armée qui vient de demander des comptes. Putain, ouais, c'est vrai. Bon, là, j'ai un peu plus de destroyers dans ma flotte. Je sais pas si ça va être vraiment significatif comme ajout. De toute façon, il a pas besoin de poser ses journées quand il veut pas y aller. Il reste chez lui, il dort. Ouais, alors... un peu plus compliqué que ça, mais... Anja. Je suis salarié sans travail. Mais si t'es salarié, est-ce que t'es payé quand même? C'est ça le plus important finalement. Décision de justice, liquidation de l'entreprise, oui, forcément. Hop. On va aller casser du clodo. Bonjour, messieurs. Des pauvres. Je suis mon pilote d'auto. Les autos, mais c'est vrai, je suis pas invoqué. Bah, c'est sûr que les batailles elles se gèrent mieux comme ça. Hein. Contre des petits clodos de l'espace en sous-nombre. Que j'aille où et pourquoi déjà moi Rixvis pour vendre ça, c'était Ima pour ça, Tulle. Attends, on va pas perdre cette occasion. Oui, j'ai beaucoup d'alliés.
9h10. Ouais, je vois, je vois, je vois. J'avais déjà oublié qu'il fallait que je fasse gaffe sur Miel. C'est insupportable. Ce jeu, il boit mon âme. Et j'adore ça. Pendant cette période, tu cotises. Ah bah après. J'économise le congé pour le mois où Twitch arrêtera de m'arnaquer et de drame mon million de points. Ce sera un seul stream de 28 jours. Je comprends. C'est où exactement dans la zone? Tulian. Négocier avec les pirates. Le coup de pas négocier avec les terroristes, on connaît, mais hein. Tu sais dans quoi c'est en discrétion? Trafic d'organes? Ah. Ah ouais, très bien. En plus, c'est là où ça se vend le mieux. Parfait. Ça m'intéressait du trafic d'organes. Eh, hey, j'ai un rein à vendre si tu veux. Bon, il marche pas bien, mais on le dira pas ça. Non, ça c'est nulle part, on s'en fout. Bon, je vais retourner dans le secteur du Tritachion. Enfin, que je trouve des lances à Tachion. Tritachion, ils doivent vendre des lances à Tachion. Non, je vais vendre la drogue entre différentes colonies. Je vends pas, je suppose. Ah non, non, je la vends. Ah bah, Corsica, vas-y. Au hasard, de super yeux verts. Ça doit se vendre à bon prix. Ça intéresse? Ah là là. Tiens. On va... au Leven. Upgrade en station orbitale high-tech. Mais plus 1. Compte de stabilité ici, c'est YOLO quoi. Pour 500 000 de plus. On va attendre un peu, hein. Dehors 13. Je surveille, je surveille. Bon, je vais m'arrêter là pour la VOD, les gars, je pense. Parce que sinon, je vais être préoccupé pour les 3 minutes qui restent. Non, c'est mes courses qui arrivent. Donc je vais devoir AFK genre une quinzaine de minutes, je pense. À peu près, hein. À une vache près, c'est pas une science exacte.
Y'a Pichu, je t'ai pas dit bonjour. Non, je n'ai pas acheté. Notion bim. Palapam. Non. Mais et toi, t'as dit bonjour? Et c'est juste que j'ai pas vu ton message. Non mais allez-y, parlez entre vous, moi j'ai préparé le gazdal. Et moi, je pue les pieds. Malévacha m'a répondu, ah bah je suis désolé, Ichou. Je suis désolé de t'avoir snobé honteusement. Sache que je t'aime quand même et que t'es mon préféré. T'es mon préféré avec les autres que je préfère. Pas d'autres heavy mauleurs qui traînent là. Je vois pas d'autres heavy mauleurs. Et je dois en avoir pourtant. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse les planètes de l'hégémonie jusqu'à tomber sur... Oh, ça va les gars, arrêtez. Jusqu'à tomber sur un... Je suis son meilleur préféré. T'es mon préféré avec les autres. Ouais, c'est ça, mon préféré avec les autres. Quoi, 16 de vitesse, est-ce que j'ai... Ah oui, alors c'est vrai. Putain. Fallait que j'ajoute un missile rack. Voilà. Logistique. Ça. Non. Ah, du coup, c'est pas économe ce que j'ai fait là. Bon. J'ai pas le choix. Pas économe, mais j'ai pas le choix. Il y avait pas des primes par là, dans cette zone? Si. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie de Violet. YouTube, pouce bleu, commentaire, vous abonner, partagez la vidéo, ça m'aide énormément. Ça va non plus activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. À me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à manger sur mon serveur Discord, à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour de futures aventures, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez, salut, salut.